Eh bien salut tout le monde, c'est KingAceman03, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Rouge Feu. Ça faisait longtemps, je suis content de vous retrouver, alors je m'explique un petit peu avant de commencer. En même temps on va commencer, comme ça c'est fait. Je m'explique un petit peu, voilà, j'étais absent pour des problèmes familiaux. Mais pas seulement ça, j'ai eu des problèmes... Voilà, déjà un bouton. Ok. Allez, on va attendre qu'il baisse les yeux, voilà. On va essayer de les repérer. Donc il y en aurait un là. Ah fuck, pas grave. Je disais oui, j'ai des problèmes au niveau familial, de la famille, donc j'ai préféré prendre mon temps. J'espère que vous comprendrez. En plus de ça, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. J'ai voulu reprendre les conquérants des îles. Mais Friano n'était pas disponible, donc l'épisode que je me trompe pas, 4 est sorti le 6, l'épisode, enfin le 6 octobre, hein, l'épisode 4 ou non, 5 de Pokémon ne devrait pas tarder à sortir non plus. Donc ça avance un petit, je suis désolé, je vais essayer d'être un peu plus régulier. Je vous l'avais promis, mais j'ai eu des problèmes dès le début septembre au niveau familial, donc voilà. J'espère que vous m'excuserez. Donc on se retrouve de nouveau pour 30 minutes de Pokémon Rouge Feu. Alors, j'ai pas changé d'équipe, enfin j'ai pas changé d'équipe, je l'ai pas entraîné. Je trouvais qu'elle était bien ainsi. J'ai Pikachu qui en a pris le tunnel, pour rappel. Voilà. Oui, donc aujourd'hui, désolé, mais je suis un peu dans les vapes, ça fait longtemps que j'ai pu tourner. Aujourd'hui, on se fait l'arène et on va partir vers la prochaine ville. Allez hop. On a que deux Pokémon par contre avec qui on va pouvoir se battre. J'espère que ça va passer. Écoutez, on verra bien. Au pire, on a des soins. On verra bien. Normalement il a que deux Pokémon, deux ou trois, je sais plus, mais ça devrait passer. Ouais, ça devrait passer crème. Franchement, écoutez, je suis content de reprendre Pokémon. On va essayer de le terminer maintenant. Je vais essayer d'être plus régulier. Je suis en train d'essayer de m'arranger pour voir avoir un rythme. Non, il y a juste une poubelle. D'accord, les boutons bougent. C'est vrai, j'avais oublié. Non, juste une poubelle. Juste une poubelle, non. En plus, normalement, il y a une logique, mais je ne connais pas la logique. C'est quoi la logique? C'est les trois derniers, c'est ça? Ouais, je vois bien celui juste au-dessus de nous, vous voyez, et puis le choix entre un des deux. Tu te trompes, et bien tu te fais troller. Et j'ai pas envie. Alors... Ortide, ouais. Écoutez, acide. Un Voltorb, il me semble qu'il a un Voltorb. C'est un Voltorb ou un magnétique, il a... Je sais plus. Je sais qu'il a pas de Pikachu. C'est un Raichu, il me semble. Je sais plus, c'est honteux, je sais plus. Alors oui, tant que j'y suis, je vous parle un peu de l'actualité de la chaîne. Mais j'arrête définitivement. Tuto Redstone. Je vais peut-être pouvoir remplacer cette série par une autre. Ce serait plutôt une aventure tournée vers... Oh non, ouais, une aventure tournée sur la découverte. C'était plutôt une série tournée vers l'aventure découverte, oui. Pour en dire plus, c'est pas du Minecraft Vanilla 100%. J'en dis pas plus. Je suis en train de m'arranger pour voir un petit peu comment je vais tourner ça. Ce serait évidemment solo, comme ça je peux tourner à ma guise. Dans le j'ai déjà une série avec Friano. Je ne voulais pas non plus avoir trop de séries en multi pour avoir un peu de liberté, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a 2 minutes. Ok, j'ai un petit programme qui vient de s'afficher. Magnéti. Incompatibilité entre les programmes. Ok, je réglerai ça après. J'espère qu'on m'entendra assez fort sur la vidéo. Écoutez, on va XP un peu Ortide. Ok, non. On va switcher. J'espère juste qu'on peut faire tunnel sur Magnéti, il me semble, mais je suis pas sûr.
c'est la rampe, Pikachu confus, ouais évidemment, les tunnels, même si je sais pas si ça pourrait se passer. Ça passera pas, il me semble que Magnéti a lévitation. Allez. Voilà. C'est passé. Tant mieux. Alors, est-ce que vous sentez venir le piège fourbe ou pas? Les deux derniers, sérieux? Hein? On a dû en louper un. Ah merde. Non. Oh, il y a un bouton sur la poubelle. Et alors? Ah merde. Écoutez, on va vite soigner le Pokémon et puis on va revenir ici. En fait, c'est un fameux labyrinthe, j'avais oublié ce problème de... Allez, de... De bouton. Je ne sais plus s'il y a une logique ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus du tout. Honteux. Honte à moi. Oui, j'aime bien que tu t'occupes des Pokémon. J'ai pas capturé le Pokémon de la région. On ira peut-être juste avant de partir pour la prochaine ville. S'entraîner, il y a la grotte Topiqueur à droite. Je vais passer par là. Vous me direz, j'aurais pu capturer quand même un Topiqueur pour l'arène, mais j'ai pas envie. Si on rate cette arène, et bien alors on ira capturer un Topiqueur ou un Triopiqueur. Mais je pense que ça devrait passer avec les Pokémon qu'on a. Ils sont pas vraiment pas mauvais, donc... Alors... Non, juste une poubelle. Non, une poubelle. Non. Non. Il y avait une logique, mais c'était laquelle? Mon dieu. Non, poubelle. Poubelle. Poubelle, ouais. Non. Un bouton. Alors je mets celui-là. Ah mince. Non. En plus c'est chiant parce qu'on peut pas courir dans cette arène. On va y arriver quand même. Je vais pas devoir faire une ellipse pour ça. Bouton, ouais. Ah oh, merde, double. Non, à chaque fois. Alors. Il y a bien une logique, elle met. Ok, je parle. Le Major Bob a caché des boutons pour ouvrir les portes. Quelque part. Ouais. Un bouton sur la poubelle. Allez, et lui donne pas l'indice par hasard? Le deuxième est juste à côté. Sérieux? C'est aussi simple. D'accord. Honte à moi. Coucou. À l'armée, Major Bob était mon supérieur. C'était très instructif, pardon, d'être sous ses ordres. Ok. Si tu veux, écoute, si tu veux. Sous ses ordres. C'était vieux. Alors, Arcide, allez go. Arcide. Ouais, si tu veux. Voilà, au revoir. C'est réglé, écoutez. On commence bien. Un petit fail au début au niveau des boutons, mais j'avais oublié que c'était aussi simple. Alors, voilà le fameux Major Bob. Écoutez, c'est parti. Hé hey, tu fais quoi, là? Tu ne resterais pas longtemps en temps de guerre. Je vais t'avouer quelque chose. Les Pokémon électriques m'ont sauvé pendant la guerre. Ils ont paralysé mes ennemis avec leurs éclairs, comme je te le dis. Et il va t'arriver la même chose. Compte tes dents. Tu vas morfler. T'es sûr? Enfin, c'est possible. Là, franchement, je fais le malin, mais c'est possible. On dit notamment qu'on avait toutes nos chances avec elle, Pierre aussi. Autant là, je le sens moins bien. On va voir, écoutez. Je peux me tromper, hein. Faut pas être pessimiste dès le début. On verra bien. Il avait un Pikachu. Écoutez. Par contre, il est un peu nul son Pikachu, vous remarquerez. Un tout petit peu, hein. Ah, il rate son attaque, mince. Elle est acide de nouveau. Ah, si en plus il fait reflet à longueur, ah, c'est pas possible. Je demande pas la mort non plus, hein. Allez, Ortide. Non, mais arrête avec reflet.
Allez, attaque. Merci. Au revoir. Hein? Oh, sérieux. Super potion. Bon, au moins, il s'en ira pas son Raichu. Allez, Ortide. Quand tu veux, hein. Eh, c'est pas grave. On va y arriver. Au pire, il y a Pikachu. Qui est pas mauvais non plus. What? On a bien vu le même bug. Non, impossible de rêver, mais... Raichu. Écoutez, on va rester sur Ortide. Et si ça tourne mal, on switchera sur Pikachu. Alors... Ah ouais. Ah. Ouais. J'ai oublié qu'il était niveau 24. Ouais, je le sens mal, hein. Quoique. Aurait-on de la chance? Aurait-on de la chance? Va-t-on survivre? On ne sait pas. On verra bien, écoutez. Et on a gagné. Avec un Pokémon, c'est magnifique. Et Ortide monte de niveau 26. Il a bien monté de niveau, n'empêche, hein. Il va falloir que les autres le rattrapent, mais non. Vous avez battu Major Bob. Wow. T'irais loin, toi. Très bien. Prends le badge foudre. Je sais que j'irai loin, hé oh. Le badge foudre augmente la vitesse des Pokémon. Il permet aussi à tes Pokémon d'utiliser vol. Ah, c'est sympa, mais je l'ai pas encore. C'est quelqu'un de pas ordinaire. Prends ça. Fatal foudre, non? Onde de choc, pardon. Un petit conseil. L'électricité est très puissante. Mais elle est inutile face au type sol. Non, c'est vrai. Écoutez, on va la prendre à Pikachu. Je pense. Prochaine fois, boîte CT, elle est où? Onde de choc. Ouais, Pikachu quand même des capacités, ouais. Alors... Éclair qui fait 40 sur 100. Enfin, 40 de pouvoir, mais une précision de 100. Attendez. D'accord. Il est pas précis, mais il fait plus de dégâts. Impossible à esquiver, d'accord. Au niveau PP, 20 et 30. Bah écoutez... Non! Écoutez, pour 10 PP, je pense que je préfère prendre une attaque qui n'échoue jamais. Et qui est plus puissante en plus. Voilà. Capacité enclenchée. Pikachu apprend onde de choc. Ok. Eh bien écoutez, on est bien parti. Je regarde un petit peu le chrono où on en est aussi pour pas trop dépasser. Alors. Ça va, on est à peine à un quart d'heure de vidéo. Allez hop. Ouais, on va aller soigner Ortide et puis on va partir un petit peu voir à droite et à gauche. Explorer un petit peu avant d'aller à la seconde ville, parce que si je me souviens bien, il faut que je trouve de nouveau lui. Comment vas-tu? Je suis un des assistants du professeur Chen. Tu as déjà rencontré un autre assistant? Il avait un paquet pour toi de la part du professeur Chen. Il a dit qu'il partait à ta rencontre vers la route 2. Si tu vas par là, essaye de le trouver, Iceman, d'accord. Donc c'est la route 2 qu'on doit se rendre pour trouver Flash. Ça me semble... J'ai ma manette qui bug un petit peu. Donc c'est là qu'on doit se rendre pour trouver la CT Flash. Donc écoutez, on va aller là-bas. Par contre, à qui va-t-on la prendre? On va pas prendre Flash à un Pokémon de notre équipe quand même. C'est une capacité plus qu'inutile. Au pire, on n'a pas un Pokémon type Psy, non? Attendez, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors, allez, ouais. On va un petit peu. Il y a Rondoudou qui pourrait la prendre peut-être. Au pire, on prendra Rondoudou dans l'équipe. C'est juste pour la grotte en fait qu'il nous faut Flash. Donc au pire, on pourra l'enseigner à Rondoudou. Étant donné que on ne le prendra pas dans l'équipe après. Il nous reste... Maintenant que j'y pense, il ne reste plus beaucoup de Pokémon. Hein. Il nous reste Pyroli qu'on aura, si je me trompe pas, dans 2 épisodes, plus ou moins. Waouh! Les Topickers ont creusé ce tunnel. Il va tout droit à Jadiel. Allez, go! Écoutez, on va mettre un peu Carabaf devant. Non, Carabaf, non. Pikachu...
Ouais, on va mettre Carabaf. J'aimerais bien qu'il évolue lui aussi. Bon, on a le temps, mais... On peut peut-être à la limite capturer un Topiqueur. Pour les donner. Carabaf. Alors... Je vais remettre un peu aussi en mémoire les capacités. On va essayer de le capturer. Toujours sur le prix. Voilà. Ah ben non. D'accord. Au revoir Topiqueur. Content de t'avoir connu. Alors... Encore un. Écoutez, on va XP un petit peu tant qu'on y est. Au pire, j'irai les XP en off s'il y a trop d'écart, mais... Franchement, je pense pas qu'il va y avoir... Ah, je recommence. Qu'il va y avoir, pardon, je sais plus parler, moi. Un si grand écart que ça. Franchement, ça va être un petit écart qu'il y aura. Je pense. Et pour l'instant, je me trompe pas, donc ça va. Alors, vibre à quoi? Alors, voilà. Topiqueur KO. Carabaf niveau 24. Est-ce qu'il va monter ou pas? Non. J'aimerais bien avoir la capacité flash, moi, mais j'espère que j'ai assez de Pokémon. Topiqueur de niveau 19. J'espère qu'on a assez. Ce serait un peu bête d'avoir fait le chemin pour rien. Au pire, alors on ira faire des combats et ce que je ferai, c'est que j'irai capturer les Pokémon en off. Et on attaquerait la grotte pour le prochain épisode. Faut éviter de devoir se laisser dedans. Alors... Encore un Topiqueur, on trouvera jamais de Topiqueur à ce rythme-là. On va peut-être essayer de faire morsure. Voilà. Ah, d'accord. Ça aurait été bien utile pour l'arène en fin de compte, effectivement. Alors, Pokéball. On a une Super Ball, nous. On a trouvé une Super Ball. Je sais plus où on l'a trouvé. Bref. Voilà, capturé. Et de les rajouter au Pokédex. Ce Pokémon creuse sous la terre à faible profondeur. La terre qu'il laisse à son silage, le rend facile à repérer. Donner un surnom, non? Alors. On monte. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il nous donne quelque chose, non? Je suis allé dans la grotte, mais j'y voyais vraiment rien. Si le flash d'un Pokémon pouvait l'éclairer. Ça et dire qu'on est sur le bon chemin, c'est la même chose, hein, personnellement. Coucou. Un Pokémon KO ne peut pas se battre, mais il peut encore utiliser des techniques comme coupe. Ouais. Je cherche un bras. Tu veux me l'échanger contre un monsieur mime? J'ai pas d'abras, désolé fieu. Alors. Là. Cette arme semble pouvoir être coupée. Tu découpes, ouais. Alors, coucou, c'est moi. Alors toi, tu veux quoi? Si un Pokémon a pris Flash, tu peux traverser la grotte. Coucou. Salut, tu te rappelles de moi? Je suis un assistant du professeur Chen. Si tu attrapes 10 Pokémon différents, je suis censé t'offrir un cadeau. Est-ce qu'on a 10 Pokémon différents? 12, ou tout juste. Afin de capturer plus de Pokémon. Merci. Et là, il y a quoi? Une Pokéball avec quoi dedans? Oui, le... Ouais, bon. C'est pas mal. Une autre. Un petit para. Et rien d'autre. D'accord. Oui, bah ok, pas de problème. Alors... On va devoir retraverser la grotte, sérieux. Vous savez quoi? On va mettre un peu Rookoops devant. Même si j'ai conscience que le vol et le sol, c'est pas
tip top, mais c'est possible. C'est possible de combattre. Donc écoutez. On va tester. Et on verra bien. Cave to picker. Et on est reparti. Si on pouvait choper un trio picker, ce serait marrant. J'aimerais bien, mais bon. On verra bien. C'est bien pour une fois. En plus, il n'y a pas de bruit de fond chez moi. Il fait calme. On est déjà à 20 minutes. On est à la moitié de la vidéo et on n'a rien fait quasiment. Enfin, si, quand même. Mais... ça n'avance pas très vite. Mais c'est pas grave. Autant profiter. Encore un trio piqueur, ouais. Oui, voilà. Alors... bah écoutez, tornade, hein. Ah ben non. Ou pas. Alors... il est quand même plus rapide que moi, hein. Ça devient grave. Non plus aucun respect. Ah là là. Bon bah écoutez, on avance. Lentement mais sûrement. Mais j'aurais bien quand même un trio piqueur, ce serait stylé. Non, on est condamné à avoir que des tout piqueurs. C'est pas grave. Okay, pourquoi je fais charge moi? Non mais ça m'affecte pas, j'ai du vol. Alors, vive attaque. Et voilà. Réglé. Alors, non, par là. On descend. Encore un topiqueur, ouais. Bon, c'est quoi, on va faire cyclone, on va le dégager vite fait bien fait. J'ai pas envie que ça traîne non plus. Allez, oust. Voilà, au revoir. Alors. Cave topiqueur. Alors écoutez, on va aller faire 2-3 combats ici. Trouve réveil. Bon ben voilà que mon frère se met à gueuler. Super, juste au moment où je dis qu'il n'y a pas de bruit de fond. Techniquement, on ne devrait pas l'entendre vu qu'il est en bas. Et que je suis dans ma chambre. Mais étant donné qu'il crie bien fort. Alors, gamin d'Eden. Ou dandon. Non, je pense que c'est plutôt denden. Bref, on a compris. Attendez, je vais peut-être me muter 2 minutes. Voilà. Alors, tornade de nouveau. C'est pas possible. Quand je pense que je lui dis de faire moins de bruit. Voilà, j'ai été le calmer un petit peu. Alors, oh, il m'a empoisonné entre temps, d'accord. Ouais, bon, c'est pas trop grave, au pire j'ai des antidotes. Allez, charge. Non mais recoups. Oh. Tu parles d'une poisse. Allez hop. Recoups, il y a du laisser aller. Alors, voilà, vive attaque, et voilà, écoute, j'ai en train de passer crème pour l'instant. Nous sera petit, on va changer, on va envoyer Pikachu, et go. Je sais pas comment ça se prononce, non. N'empêche, c'est des prénoms bizarres, hein. Je veux bien que c'est un jeu japonais à la base, mais là quand même. Denden. Ou Denden. Je sais pas. Gamin, voilà, il s'appelle Gamin.
envie de me mettre à comprendre le prénom de tout le monde. Il y a déjà des choses bizarres sur ce Pokémon. Mais alors là... faut pas essayer de tout comprendre non plus. Sinon, c'est à devenir fou. Voilà, écoutez. On va combattre un peu avec... on va combattre un peu avec Rokoops. Ou alors Pikachu. C'est Pikachu plus faible, on va mettre Pikachu devant tant qu'il monte au niveau 24. Et puis il faudrait aller faire monter niveau 26 tous les 3 pour qu'il reste très portide, mais bon. Attention hein, je pose des câbles. Je pose des câbles dans la... Pourquoi tu poses des câbles, vieux? Mécano en plus. What? Un mec... Wow. Je ne cherche plus à comprendre. Allez, attaque tunnel, qu'on en finisse. J'en peux plus de lui. Ils sont pas possibles. Qu'est-ce qu'un mécano va foutre des fils électriques dans un cambrousse ainsi? On m'explique? Il y a même pas un poteau. Il y aurait des poteaux électriques, je comprendrais, mais il y a rien. Bon bah écoutez. Pikachu mon niveau 24, il avait qu'à demander hein. Alors... défense plus. Tous des objets que je pourrais vendre, ça. Alors le vieux, là. Je n'ai encore jamais gagné. Eh ben, tu gagneras pas aujourd'hui. Désolé. Croupier Esteban. Voilà un nom facile à dire. Caninos. Ouais, j'avais vraiment hésité entre Caninos et Pyroli, mais en fin de compte, Pyroli a des meilleures stats à mon goût. Allez, attaque tunnel de nouveau. Feu sol, ça fait son effet. Enfin, sol contre feu, hein, pas inverse. La preuve. Oh, Pikachu, il a dû laisser aller. Franchement, il a dû laisser aller là. C'est pas digne de toi. Alors, attaque souplesse, allez. Non mais Pikachu, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça Pikachu? Faut surveiller un peu le chrono aussi. On est à 27 minutes, il nous reste une dizaine de minutes. Goopix. Oh bah on va rester avec Pikachu. Alors, tunnel. Allez, et faites qu'il le tue. Oh, non. Au pire, j'ai quand même oublié, mais il y a onde de choc qu'on doit tester, voir si ça donne plus ou moins. Et comme ça rate jamais, en plus, techniquement... ça aurait été utile d'avoir ça pour la reine d'Ondine. Hein. Une attaque foudre qui ne rate jamais. Vous me direz... on aura l'occasion de s'en servir plus tard. Là c'est un gros... voilà, santé. Ça se voyait gros comme le nez au milieu du visage. Encore un croupier, coucou. Quoi? J'ai jamais perdu, d'accord. Donc il y en a un qui a jamais gagné et en dessous celui qui a jamais perdu. Ok. Non, pas de problème. Un Voltorb, oui, ok. Alors... tunnel. Voilà, ouais, si tu veux. Rate son attaque, bien fait. Tunnel, boum. Bye bye. Même pas. Ah non, il a dû laisser aller. Là, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, mais là... c'est plus possible, hein. J'espère qu'on ne connaîtra pas mon frère, quand même, il est têtu. Magnéti. On va changer un petit peu. On va envoyer, non, on va garder Pikachu, on n'a pas le choix. On le soignera après le combat. Tunnel. Allez Pikachu. Éclair, tu me loupes. Attaque tunnel. Voilà, ça c'est du travail bien fait. Propre et net.
Super Ball. Bon, on en a deux comme ça. Alors, on va le soigner. Voilà. Alors, lui n'a pas encore fondé. Je suis le plus fort de ma classe. Ouais, tu le dis. J'ai peur quand même. Chon, je sais pas. Il y a des noms bizarres, hein. Allez, Pikachu, tu nous fais quoi là? Ouais, écoute, on va faire un Ultima Washi, c'est même moins risqué. Allez, Pikachu, tu nous fais n'importe quoi là. Voilà. Au revoir. Content de t'avoir connu. Oh. T'aurais pu monter de niveau là, hein. C'est foutre de ma gueule ça. Je suis désolé, mais là... Il a dû laisser aller... trop... à mon goût. Allez, tornade. Au revoir. Même pas. Bon bah les hosts. Je ne te veux plus. Violence, je ne le veux pas. Rat-attaque. Bon bah écoutez. Procoupse contre Rat-attaque, tu parles d'un combat qui est... un peu décevant. Chrome mort, ouais si tu veux. Ouch, quand même. Il attaque. Voilà. Et voilà. Tu veux être le chef de la classe? Non. Non, je ne veux pas. Désolé. On va claquer toutes nos potions si ça continue. Au pire, j'irai en racheter. J'ai des pépites et des pouces étoiles. J'irai en racheter, c'est pas un problème avec l'argent qu'on se fait ici aussi. C'est pas ça qui dérange beaucoup. Pour l'instant, c'est plutôt séance XP, XP détente. Ah bon, on a déjà un, donc au revoir. Que non, c'est qu'on va le tuer pour la simple et bonne raison. Pikachu doit monter de niveau 25. Voilà. Et voilà. Pikachu, je suis désolé, mais t'as le double de son niveau. Comment peux-tu laisser si peu de PV? Je suis désolé, mais faut l'achever. Propre et net. Voilà, niveau 25, ça fait du bien. Voilà, on va pouvoir switcher, on va combattre avec... Karabaf, il a pas beaucoup... s'il a bien combattu. Ouais, le Karabaf. Lui, on l'a déjà affronté. Non. J'adore les défis. Si tu veux. Écoutez. C'est comme tu veux, hein. C'est Tiflore. Oui, au moment où je crois Karabaf, on tape un type plante. Évidemment, hein. Bah vous savez quoi, on va tester. Je suis sûr qu'il peut gagner. C'est pas non plus comme si c'était le combat le plus risqué du monde quoi. Franchement. Voilà quoi. Aucun risque, c'était propre et net, deux attaques morsures et voilà. Mystère. Bah. Non, on va rester avec Karabaf, il est bien. Alors, attaque morsure. Mystère, bah la trouille, évidemment, ça c'est encore mieux ça. Et voilà, Karabaf qui monte de niveau 25. Ouais. Tour rapide. Alors. 20-100. Non, franchement non, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan de cette capacité. Alors... Oui, c'est des Pokémon électriques. Non. Je me trompe peut-être, hein, mais...
Écoutez. Techniquement, c'est un ouvrier, donc il y a des Pokémon électriques. Fais attention au câble, ouais, c'est encore un type électrique. Ouais, mais on va switcher sur Pikachu alors. Pour éviter les problèmes. Donc vous me direz, on peut tester aller. Au pire, il décède, mais... Ok, c'est le décès. Même pas. Carabaf, tu te battras jusqu'au bout. Eh ben voilà, tu vois quand tu veux. Alors, Magnéti, on switch. On va envoyer Pikachu, écoutez. On doit quand même monter niveau 26. Encore un Magnéti, dis pas qu'il y a 3 Magnéti quand même. C'est quoi ces dresseurs qui ont 3 fois ou 4 fois les mêmes Pokémon quoi. Allez, attaque tunnel. Voilà. Franchement c'est bien utile cette capacité. Magnéton. Ah voilà. Ça c'est mieux. Enfin. Il est quand même que niveau 18. Bref. On s'en fout un peu, nous on a une bonne équipe. Voilà. Ouais. Tu fais des étincelles. Je sais, Donc t'as jamais entendu parler de moi? Je suis une étoile. Une star. Je déconne évidemment. Hein. Je suis pas narcissique non plus, hein, les gens. Ni péteux. Mais les Pokémon sont prêts. Plus pour longtemps. Et on finira par là parce qu'on est à 37 minutes de vidéo. Nidoran femelle. Ok, si tu veux. Tornade. C'est pas puissant Tornade, hein. Je m'attendais à mieux quand même. Franchement ouais, j'entendais beaucoup mieux. Nidorino. D'accord. Alors. Ouais. Larvenin. Oh pitié, pas empoisonné hein. Voilà. Encore une attaque et c'est fini. Empoisonne pas. Non ça va. Au revoir. Et voilà. Donc écoutez, on va se laisser là. On va essayer nos Pokémon au centre Pokémon. En off, j'irai peut-être XP un petit peu les Pokémon, même si... Personnellement, 25, 25... Ouais, 24, 26 et 2, 25... Franchement, on jouera plutôt avec Rookoops sur le chemin. Lui, on l'a déjà affronté. Pas encore les soins, ouais, on l'a affronté. Lui, on l'a pas affronté. Bon, on finit par lui, allez. Comme ça recoupe ses niveaux 25. Et alors on combattra avec les 3 sur le chemin pour la grotte. Voilà. Est-ce qu'il va monter niveau 25 ou pas? J'ai pas vu sa part d'XP. Oh ouais sûrement. Ouais ouais, je vois pas ce qu'il a d'intimidant. On va le réduire en bouillie. Pauvre de moi. Ouais, recoupe paralysé, évidemment, fallait s'y attendre. Alors, vive attaque, allez, qu'on en finisse. Mais dis pas qu'on va galérer sur un simple serpent. Tu me dirais sur Elector ou Articodin, d'accord? Mais un serpent. Recoupe, il a dû laisser aller. C'est une petite paralysie non plus. C'est pas comme si c'était la mort non plus, hein. Alors, voilà. Bah ils sont tous 25 ou 26. C'est pas mal. Allez, allons les soigner et on va se laisser là. Écoutez, on n'aura pas beaucoup voyagé, mais on aura quand même au niveau progression bien avancé. Nos Pokémon ont monté d'un niveau chacun. Voir Ortide a monté quasiment de deux. Ouais, a monté facilement deux niveaux.
Alors nous avons récupéré la capacité Flash, qui est bien utile entre parenthèses. Et nous avons XP, nous avons notre troisième badge d'arène. Attendez, je sais pas ce qu'on m'appelle. Non, c'est bon. Alors, on va directement... Non, on va pas faire ça tout de suite parce qu'il faut d'abord... J'espère que Rondoudou peut l'apprendre, sinon il va falloir que je trouve un Pokémon. Il y a des soporifiques qui me semblent dans les herbes de là où on vient de combattre. Donc je verrai bien s'il faut capturer un soporifique, mais il me semble que... Étonné que Flash qui a une capacité normale, il me semble que Rondoudou peut la prendre. Au pire, on va faire aussi évoluer Rondoudou. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une évolution plus Flash? Normalement Rondoudou peut la prendre, ouais il peut la prendre. Voilà. Donc il la prend. Voilà. Elle prend Flash. Et alors écoutez, on va le faire. Vous savez quoi, on va le faire évoluer rien que pour les données et pour le pimp. Voilà. Quoi? Rondoudou évolue? D'accord. Qu'il est laid. Ouais, bon, bref. Faut pas crier non plus de joie avec un gros doudou, quoi. Voilà, bah écoutez, on a un peu tout ce que on avait à faire pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais prévu. Donc écoutez, on est quand même déjà à 3 badges, hein. C'est pas rien non plus. Oui, quitte. On est à 3 badges sur 8. On est au 3/8ème de l'aventure. Au niveau badge, après évidemment, il y a tous les Pokémon légendaires, il y a l'histoire après la ligue, donc vous inquiétez pas, on en a encore pour un sacré bout de temps. Après ça, il y aura peut-être une autre aventure qui va s'intercaler entre Pokémon Rouge-Feu et Pokémon Horacle, qui me laisse comme ça me laissera le temps aussi de faire une pause pour pas avoir une overdose de Pokémon et préparer tout ce qui est émulateur et tout ça. De toute façon, je vois bien facilement une trentaine d'épisodes. Hein. Regardez, on est à l'épisode 6, si j'ai pas de bêtises. Attendez, 3 c'était Ondine, 4 le Pokémonia, 5 on a fait l'Océane. Oui, on est au 6ème épisode. Donc franchement, écoutez, 6 épisodes, 3 badges, c'est vraiment pas trop mal, ça fait quasiment 2 épisodes par badge. Franchement, je suis vraiment pas mécontent. Hein. Donc écoutez, on va cesser là, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et salut tout le monde. Bye.